Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça dépend de côté ou à côté. Je dis à nouveau pour vous, chausson au fromage. Pour chausson au fromage, là, on a besoin de farine, on a besoin de grains d'œufs, on a besoin d'un petit peu glacé, on pince sel, on pince sucre. Et puis, non, dès que tu as cassé les œufs, hein. Pour que tu puisses retirer le jambon, mettez-le dans la farine. Donc, on va le mettre. On va ajouter le pincé sucre dans le bloc glacé. Le pincé sel dans le bloc glacé. Pour un peu de farine. Je ne vais pas mettre la farine. Nous allons mettre le reposer dans le frigidaire pour 15 minutes. Nous allons faire préparation pour béchamel là. Nous allons retourner. Maintenant, nous allons préparer béchamel là. Pour béchamel là, nous avons besoin de lait, nous besoin de jambon, un petit l'ail, un petit fromage graff, poivron, un petit persil, échalote. Et puis, on a besoin et puis on a besoin de mozzarella pour mettre dans la pâte là. Donc, on a besoin de mozzarella toujours. Ça, on va préparer le béchamel là. On va mettre un petit beurre frit. Et puis, on va ajouter ça là-dedans. Après, pour mettre l'être là. Après, pour mettre un petit farine. On va tourner. Mettons un poivron et échalote là, persil hein, avec petit lait là là-dedans. Ajoutez le jambon. Hein. On quitte bien bon et puis on ajoute les là. Là, le bien fruit, on va l'ajouter mettre là dedans. On va monter qu'à ajouter sauce anglaise, moutarde, crème fraîche. Mais comme nous l'avons quand même pas mais trop compliqué, on va juste mettre le. On va besoin en pile béchamel parce que on va gagner en pile pâte, donc on va faire un petit béchamel tout petit. Il faut qu'il soit épais. Il faut que temps à quitter le bouilli. Après, on va ajouter. Farine a fini. Même mesure, les de mettre en bas, les mettre même mesure de l'eau. Pour végé dans le capri. Pour que un poivron cuit, bien cuit. Et je vais ajouter farine non. Après, la tenir. Quand je vais mettre farine, on va ajouter fromage, un petit fromage graff. On va la tenir cuite. Après, je vais tourner dans la pâte. Je ne vais pas remarquer là. Mais je vais mettre la épée, j'en ai besoin là. Les épais, on a maintenant on tire les pâtes dans notre frigidaire. On va le passer. On va le passer au l'eau sous. On va le donner que c'est moi qui ai mis le téléphone là. Donc, on va retourner. Ok, je ne vais pas remarquer un pâte là. Lia, non. Chut. On va le couper. On va monter nos graines parce que je vais mettre le téléphone en même temps pour m'en faire.
Ou mettre un petit béchamel sous pâte là. Tout petit. Et puis, ou ajouter un petit fromage mozzarella sous. Mouiller 4 pointes et pour fermer. Il y a un bon résultat ça. L'aile cuite, on va tourner. Même processus, on met un petit béchamel. Un petit fromage. Il y a 4 points clés ou ferme. Maintenant, on va battre un jaune d'œuf. On va aller passer ce. On va finir un jaune d'œuf. Voilà. On a mis le four à chauffer. Dès qu'il a chauffé, on va le mettre en bas fou. On va retourner avec résultat. Tout chaud, maman. Tout chaud. Et voilà. Voici notre chausson au fromage. Talent, nous va le présenter. Et voilà. Notre chausson au fromage. Si vous avez apprécié, abonnez-vous. Sonnez cloche là. Sonnez cloche là. Invitez l'autre ami pour le garder. Invitez l'autre ami à apprécier la page là. Share. Commentez. Merci de ce côté pour temps pour te garder, pour te suivre nous. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci. Voilà. Nana.